Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de ma web-série. Alors j'ai sorti mon single Ne me suis pas il y a quelques semaines et aujourd'hui c'est la journée de lancement. Si je meurs de t'attendre, c'est parce qu'il y a un monde sans toi. Ça a été une journée super intense, mais j'ai plein de choses à vous montrer et à vous faire découvrir. Parce que je sais déjà ce qui se passera et je ne veux rien rater de ça. Laisse-toi filer dans la nuit. Ce matin, on s'est rendu à TF1 avec Ariane Séguillon, qui joue ma mère dans Demain nous appartient, pour aller co-présenter l'émission 50 Minutes Inside avec Nikos. Donc on est arrivé, on s'est fait maquiller, on s'est habillé, on a fait plein de photos et après on a vu Nikos avec qui on est allé sur le plateau. Me relever. Le temps d'un souffle, je me suis envolée. Je ne veux pas partir et te dire que ça va. Si c'est toi que je veux et que toi tu ne veux. Et à la fin de l'émission, il nous a proposé déjà de nous photographier parce qu'il fait aussi des photos et j'étais super contente parce qu'il m'avait déjà prise en photo sur une autre émission. Je ne veux pas partir et te dire que ça. Nikos, faut savoir que c'est pas la première fois que je le vois. Je l'avais déjà vu sur The Voice Kids parce qu'il présente l'émission et il a toujours été super bienveillant avec moi. Cette petite étincelle qu'il y a dans l'œil qui fait une carrière, elle l'a et elle apprend énormément. C'est pour elle une opportunité de dingue d'être à la fois actrice et chanteuse. Je sais pas si elle s'en rend compte encore, je pense pas. Elle s'en rend compte peut-être dans la difficulté de l'exercice, d'être juste à chaque fois dans le propos, de ne pas être décalé, d'être reconnu, d'être crédible, tout ça, elle se rend compte que c'est un travail. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle est en train d'écrire sa petite histoire, qui deviendra aussi une grande histoire et sa destinée. Le temps d'un souffle, je me suis envolée. Je ne veux pas partir et te dire que ça va. Après que j'ai quitté TF1, on s'est rendu à l'hôtel Les Jardins du Faubourg. J'ai fait un shooting photo avec plein de vêtements différents et à plein d'endroits différents. J'ai trop hâte que vous voyez ces photos parce qu'elles sont beaucoup plus matures et vous pourrez les voir par exemple sur mes réseaux ou alors dans la presse. Donc restez à l'affût de mon actualité. Merci à Nikos, merci à Ariane, merci à toutes les personnes qui ont fait que cette journée était super cool. Et j'espère très prochainement vous revoir. Restez à l'affût et je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.